C'est vraiment suspendu tous ces poissons qu'il y a. Bon, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle session. Aujourd'hui, vraiment en particulier, on est en mode entraînement. Semaine prochaine, on a une compétition, la tiercée. On vous expliquera tout le jour, même avec des règles très particulières. Ça risque d'être sympa, mais du coup, aujourd'hui, on est en phase d'entraînement. Il y a du poisson partout. Il y a peut-être quelque chose à faire. À l'écho, il y a du poisson partout. Bon, du coup, objectif recherche de poissons, brochet, perche, cendre. On n'espère pas tomber sur les silures, mais bon, on ne sait jamais. Donc, on va essayer de trouver des patterns, trouver des zones avec du poisson, trouver une stratégie à mettre en place pour essayer de faire du poisson. Voilà. Donc, c'est l'objectif de cette journée. Il annonce beau. Il fait pas froid ce matin. On est au mois de mi-septembre. Ça risque d'être pas mal. Donc voilà, l'heure souple, l'heure dure, on va vraiment faire de tout pour essayer de trouver la meilleure stratégie possible. Allez, c'est parti. Yes. Ouais. Sans. Ah, mais... c'est derrière. C'est derrière. Ah. Première indication, Alexis. Ouais, tu... Bon, on peut se dire ça, hein. Avant que les gens ils vont tous descendre à la compète, je sais pas. On monte à... Faut voir ce qu'on... suivant ce qu'on fait. On ramène une heure ou deux chevaux. Ouais. Et voilà. Je mets l'arrière ou pas? Ouais, parce que là, ça saute de partout, t'as fait de poisson de super fou. Peut-être qu'avec le soleil, ça va les faire descendre et les regrouper un peu plus. Allez, nouveau spot. En passant, là, il y a pas mal d'échos. Suspendu toujours. On va quand même essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Poisson. Ensemble. Ouais. Ça maille. À l'aise. Ouais, pas mal. Même une douche. Ouais. Hop là. Une petite serpille. Ça maille, ça. Ah oui, ça m'a eu, oui. Ah putain, il n'avait pas décroché tout seul. Comment il s'est piqué lui. Voilà. Ça fait combien ça? Ça fait 44. Ouais. Voilà, petit centre de 44. En linéaire. Pas très profond, hein. Ouais, j'ai pris dans quoi, 4 mètres. Bon, on est reparti, on va voir si c'est juste un poisson par hasard ou si on peut confirmer un truc. Là, on est sur une pointe en fait, le vent arrive depuis l'avant du bateau aujourd'hui, mais dans les autres jours il arrivait de par là-bas. Donc en fait ça brasse et ça crée des courants de chaque côté de l'île et ils ont tendance à se mettre derrière pour s'abriter du courant et être face au courant et attendre la bouffe. Aujourd'hui le vent a changé de sens, donc on va voir si les poissons ont bougé, mais j'ai pas l'impression parce que quand on est passé de l'autre côté de l'île, il n'y avait pas de poissons. Et là on vient d'arriver du côté où le vent inverse par rapport au vent depuis plusieurs jours. Et là, première touche à confirmer, c'est voir si on fait d'autres poissons. Ou pas, mais en tout cas il y a des échos. Ici du blanc un peu là. Mmh. Ouais, il y a poisson. On rentre un peu dans la hanse et il y a du poisson. Allez.
coupé. Non, non. Ça maille, hein. Il y en a des belles derrière. Putain, merde. Et derrière. Je... Merde. Non, celle-là, non, mais celle qui était derrière, la deuxième, oui. Il y avait une autre derrière, elle maillait. Tu la pinces ? Bon, ça maille ça. Je sais pas. Ouais, ouais. Tu veux tester? C'est juste. Il va être juste, mais ça doit mailler. C'est gros, ça tienne. Elle maille pas, elle a 23. Elle est plus grosse que la mienne. Hein? 27. Merde, faut que tu te poses du l'arracher. Pourtant, j'ai envie d'en mailler. J'aurais eu toute la perche. Là, on a deux perches au bateau. Moi, il y a une petite là que t'as suivi là que j'en ai réussi à intercepter. Mais il y en avait une deuxième que j'ai failli intercepter, mais la petite est chopée en premier. Peut-être que je te dis. Poisson, ah, je ramène poisson, à plein de balles. On voudrait dire que tu ramènes. Et... Ouais. Je vais quand même essayer un petit coup de petit bloc minot, mais histoire de vérifier, vu qu'il y a des perches dans le coin. Ce qui est bien, c'est que tu décroches pas quand elle se piquer. Ouais. Ah oh, putain, j'avais. Ça m'a... À la remontée, il fallait remonter vite. Ouais. Ça m'a y à l'aise. Mais t'es presque loin du quota, toi, perche. Je suis presque au quota perche, ouais. Cendre. Donc un cendre. Hein? Une perche. Un cendre, une perche. Une cendre, une perche. Après, non, mais je te dis, à la matinée, c'est réglé les cendres et les perches. Et après, tu me mets sur les brocs. Et après, tu fous le broc. Hein? Ouais. Après, tu me mets sur les brocs. Et après, je me mets sur les brocs. Dès que t'as ton quota, tu me mets sur le broc. Allez, okay, on fait comme ça. Dès que j'ai mon quota, je sais pas combien aller, mais elle est pas mal. Bah, je pense qu'on peut continuer jusqu'à l'entrée de l'entonnoir là, parce que s'il faut à l'entrée de l'entonnoir, c'est Bagdad. Parce que la meilleure zone, on sait que c'est l'entonnoir. Là, tu as une zone qui est intéressante. Mais à tout moment, là-bas, c'est n'importe quoi. Surtout en pêchant, tu vois, comme ça, dans le bon sens, t'es vraiment dans le sens de l'entonnoir, de là où vient la bouffe. Ouais. Ouais. Je la relâche peut-être, elle. Hop là. Allez, nickel. Ah, cendre, au crank. Ça maille pas, dommage. Mais bon. Alexis nous fait un petit cendre au crank. Avec les tripes, ah oui, il faut faire gaffe. Ouais. Surtout que c'est nerveux les cendres comme ça. Les petits. Les petits, hein. Ça bouge dans tous les sens. T'as la pince. Tu ouais, c'est bon. Comme en nylon, tu sais. Hop là. Bon, allez, le prochain, il maille. Hein. Bon, je vais essayer de passer avec un black minion plus gros. Oui, on peut y rester 5000 ans avec. Hein. On fait la zone là. Ouais. On sait qu'il y a du poisson à faire. Clairement. On va aller compter les miettes après. Ouais. J'aimerais quand même voir s'il arrive pas ici. Si on peut pas fermer le quota. Parce qu'il y a toute la partie là qu'on n'a pas vue non plus. Non, mais on va la faire. Ouais, on l'a fait et après on ne s'attarde pas, on va pas y passer 15 ans quoi. On n'y passe pas la matinée ici, même s'il y a du poisson à faire, on essaie de trouver autre chose. Okay, ouais. Il y a une de ces échos là. Fiche ? Ouais. Cendre. Une perche. Une perche. Eh, ça maille, hein, à mon avis. On va voir. Poisson. La clino plus gros. Ça maille pas, ça. Non, ça maille pas. Ils sont... Oui, hein. Filou, viens. Filou, viens.
Ouais, moi ça me manque pas, petit cendre. Bon bah j'ai voulu passer avec un Black Minnow plus gros pour essayer de faire un volume plus important. Mais ça a pas mis longtemps, c'était premier lancé quoi. Poisson. Oh. Non, pitchoui, pitchoui. Belle perche. Ouais, j'aime. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, j'aurais sorti l'épisode, mais c'est un complet, ça. Oui, j'aurais ramené plus doucement. J'aurais ramené plus doucement. Putain, j'avais mon quota. C'est juste à rentrer. C'est un peu quota perche, non ? Le dernier sang. Non, il y a pas de quota perche. Ouais. Ouf. C'est des belles perches. C'est pareil, c'est la même. Un peu plus petite. Et hop. Cette fois, elle dit. C'est la folie aujourd'hui. Une fois que tu es mort quoi. Je vais dire, je vais appeler Jean-Marc, je fais. Eh putain, le pré-pêching, c'est chouette. Hein. C'est folie, si on peut faire ça la semaine prochaine, ce serait bien. Ah ouais, mais là, à chaque fois que je lance la balle, pouf, je le fais éclater, quoi. Harry quoi, ça sent le sang, hein? Je sais pas. Épisode? Non, broc. Broc? Oh, tu mailles ton broc, tu rentres ton broc. Oui, tu peux faire des chandelles, c'est broc. Ouais, hop, je vais lâcher la perche. Alors là, comme on compète. Hein. Ouais, ça maille. Tu sais que c'est la fouille aujourd'hui. Bon, tu mailles ton brochet. Putain, ça t'a réussi une des étapes les plus compliquées là. C'est bon. Yes. Nickel. Donc quoi, il y a un meilleur moyen. Putain. Ouais, c'est des perches ça. Il y a pas derrière. Ouais, ça maille hein. Ça m'aille à l'aise. Ça fait 30. Hein. Voilà, on regarde ce qui se passe. Ouais, bon, ça marche toujours. Ça m'aille. Toujours du monde. Hein. Pas des très gros bancs quand même. Ouais, gros. Pas là non. Hein? Ouf, elles étaient plus jolies. Elle. Ah, pas loin de mailler quand même. Ouais. Ah. Quand tu les énerves comme ça. C'est débile. Ah, elles ont bougé. En même temps, on en a fait quelques-unes. Tu balances.
Ils doivent profiter de l'ombre du bateau. Ouais. C'est quoi qu'il y a dessous là? C'est pas un Big Sandre? Je sais pas. Tu le vois là? Ouais, c'est joli hein? Ouais. Allez! À vue! Bordel! T'as vu ça? C'est ça qu'il faut qu'on fasse à la compète! En pleine journée! Big Sandre à vue en plein soleil! Une journée! Ah! Mais non! Et bon, le quota ça! Il est pas venu! Il y en a plein en dessous! Il y a plein de gros cendres en dessous! Ah non, tu tapes la coque, c'est fini pour tous les. Ça fait combien ça? C'est moyen. Ah oui, ça m'aille large. 62. On va voir la photo là-bas. Ah, ouais, vas-y, dépêche-toi si tu peux. Parce qu'il fait chaud. Ouh. Oh, je le fais en surface, il faut pas qu'il déconne non plus. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, ouais. On fait la tournée des bateaux. Je t'ai dit que j'avais vu des poissons, je suis sûr que c'était des petits cendres là-bas. C'était long. C'est un truc de fou ça. C'est quand même pas courant. C'est tout simple. Il faut l'attaquer de derrière. Ouais. Oh, ce truc qu'on a trouvé. On va dire, Jean-Marc, on a trouvé un truc, si ça marche. Tu vas appeler. Je vais dire, t'es mort. On a trouvé un truc. Si ça marche, t'es mort. Tiens, voilà la photo. On a trouvé un truc, si ça marche, t'es bloqué. Là, mais sans drague. S'il fait beau, s'il fait beau. Beau. Ouais, faut qu'il fasse beau. S'il fait pas beau, c'est... Mais il y a une action de dingue là. Il y a une action de dingue. Ouais, même si on n'en voit pas, faut quand même faire un ou deux passages, tu sais. Hop là, il y a un truc qui vient. Un petit. C'était vraiment petit ce qui vient. Il y a un truc à bouger. Bah, il y a les deux. Hein. Hop là, il va dessus. Pff, la touche. Je sais pas si c'était des perches, ça. C'est un gros. C'est un gros. Ouais, joli. Bon, on a trop de trucs. Oh, décroché. C'est bon, laisse tomber. Mais c'est bon. C'était encore en 60. C'est bon, on a trop le truc à l'emballe. Oh putain, mais c'est un truc de barge à faire. Et t'as vu le nombre de bateaux qu'il y a? On arrête ou quoi? Parce que. Ah, c'est marrant quand même. Bon. On essaye un peu, histoire d'en voir d'autres. Et regarde encore. Il y a un truc de fou à faire.